press start to play. Salut à toutes, c'est GG, bienvenue sur Geek City. On se retrouve pour un nouvel épisode cette fois-ci de Tomb Raider 2. Officiellement, on commence aujourd'hui et j'ai très très peur parce que je le maîtrise beaucoup, beaucoup moins que le premier Tomb Raider. Déjà que je maîtrisais pas grand chose dessus, mais alors là, je le maîtrise encore mieux celui-là. Et j'ai pu voir un petit peu de let's play dessus parce que je suis une youtubeuse qui s'appelle Adeline. Je vous invite, Adeline Game, je vous invite d'aller voir d'ailleurs sa chaîne. Où actuellement, où je tourne, elle fait bien sûr le let's play de Tomb Raider de Remaster en live tous les jeudis soirs. Bon, au moment où je pense que la vidéo sera diffusée, elle ne le sera plus. Mais n'hésitez pas à aller voir sa chaîne parce qu'elle aura fait l'intégralité de ce jeu en version remastered. Nous, on va le faire, mais en version originelle et sur le format de let's play. Et ça va être très compliqué parce qu'il y a des niveaux qui sont très 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 longs et très durs. Mais on est là, on tente, on est là pour le plaisir et on tente, on aime souffrir aussi. En même temps, alors je reprends déjà, c'est la même chose. On a le son, c'est bon. La vision, je sais pas ce que c'est. C'est bon. Ben, dans ce cas-là, allons-y. Deuxième opus, 1997, si je ne me trompe pas. 97, il me semble. C'est parti. Et on a même le DLC qui s'appelle Masque d'or qu'on fera si on est encore vivant quand on aura fini cet opus. Allez, c'est parti. Donc nous voici un an après avec le retour de cette belle Lara Croft et qui cette fois-ci est en Chine à la recherche de la dague de Xian qui aurait peut-être une certaine malédiction de transformer
Alors, je maîtrise pas du tout ce jeu, mais on a une grosse nouveauté. C'est que déjà, on a des pistolets, et on a déjà le fusil à pompe, et on a des fusibles aussi. Une trousse de soins, une grande et une petite. Alors, on va essayer de faire des économies, parce que c'est très très galère. On est, bien sûr, à la muraille de Chine. Il y a 14 objets à trouver, et c'est assez cher payé pour ça. Alors, du coup, on peut voir déjà une qualité graphique un petit peu plus relevée par rapport au premier. Alors, je l'avais déjà dit quand on a fait la vidéo sur le manoir dans le 2. Mais là, c'est exactement la même chose. Ici, c'est un peu plus détaillé, c'est un peu plus joli, j'ai envie de dire. Je rappelle, on est en 97. Alors déjà, le personnage se déplace beaucoup mieux. C'est beaucoup plus souple. C'est moins rigide. J'ai l'impression qu'on peut faire des sauts. Voilà, donc on peut pas faire de sauts comme je voulais, c'est pas grave. On peut faire ceci, on l'a déjà fait. Là, ça c'est génial à faire. Donc ça c'est très bien, c'est un bon système. Voilà, c'est beaucoup plus souple, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus fluide. On a une nouvelle touche qui est apparue et je sais plus ce que ça. Tac 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 tac. On n'a pas la touche. Modifier touche de contrôle. Ouais, merci. Courir, hein, marcher. Ok, on a une nouvelle touche qui apparaît. Regardez, faire une roulade, éviter, sous-éviter. Ah, on peut pas. D'accord. Ah, ça devait être sur Select. Ok. D'accord, ouais. C'était pour les torches, en fait. Et je pense que la touche qui était définie pour les torches, c'était la touche Select. Alors, attends, est-ce qu'on peut pas définir quelque chose sur le... Attends, c'est toujours pas là. C'est toujours pas là. Non, c'est pas ça. Parmi les touches... ok. Secondaire. Il y a 3 secondes, putain. Action. Ah, c'est pas foutu ça. Ok, donc le secondaire, on peut pas le faire. Oh, putain, il va falloir aller dans le menu. Oh là 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 là, il faut aller dans le menu pour aller chercher la torche. Ouh, c'est pas adapté ça. Ok, j'ai loupé mon saut. Merveilleux. Deux fois. Trois fois. On va essayer de tout visiter, hein, mais je rappelle que le jeu est un poil que le vachement dur que le premier opus. Autre nouveauté cette fois-ci, c'est que les trophées qu'on a, les secrets qui sont à découvrir, c'est des dragons de jade, bien sûr référence à la mythologie japonaise. C'est plus maintenant des munitions ni même des trousses de soins, et c'est dommage parce que je trouve que ça manque un peu de trousses de soins des fois, d'après l'impression que j'ai sur ce jeu, bien entendu. Ah, tiens, attends, je t'ai eu. Bon, pour l'instant, pour les ennemis, ça ne change pas, hein. Toujours des gentils petits petites bêtes, des petites grosses bébêtes. Mais la variété d'ennemis va changer en fonction de notre avancement dans le jeu. Alors là, on n'a plus rien à faire. J'essaie de me rappeler de ce que j'avais vu. Normalement c'est ça, et là, hop là. Première nouveauté aussi dans ce second opus, c'est qu'on peut sauvegarder, on pouvait sauvegarder à tout moment. Il n'y avait pas de... Ah mais là, il y a un trophée. Je vais vous montrer comme ça. Il n'y avait pas de cristaux de sauvegarde cette fois-ci. Pas comme dans le premier. Est-ce qu'on va le voir dedans? Non, on s'en fout. Pas comme dans le premier, ou dans le premier opus originel, et bien sûr pas le remastered, comme on est en train de faire là. On devait sauvegarder avec... les cristaux de sauvegarde, je vous ai montré la dernière fois. Voilà les points voilà les secrets qu'en fait on doit découvrir. Alors, on les fera pas tous, hein. Bien entendu, parce que j'ai pas envie de passer du temps à chercher. Moi, mon but, comme je le dis encore une fois, c'est d'avancer dans le jeu. C'est pour moi, c'est le plus important. C'est pas de finir à 100% avec tous les trophées. Je ne suis pas là pour ça. Voilà, il y en a qui le font très très bien. Et je vous invite d'ailleurs à aller voir ces chaînes qui le font. J'invite d'ailleurs à aller voir la chaîne de Guillaume Astuce qui a fini Tomb Raider premier du nom avec 100% des secrets. Et bien sûr, la chaîne d'Adrenaline Game qui est en train de faire, au moment où je parle, est en train de faire en live le 2 avec le 100% secret en remastered. Et aussi le premier avec le 100% secret en version remastered aussi. Voilà.
Allez, du coup, on continue à découvrir notre belle aventure. Alors, je connais un petit peu mieux, un petit peu ce niveau, mine de rien. Après, c'est chiant parce que du coup, on n'a pas le. J'ai pas le. Attends. J'ai pas. Je peux pas sortir les. Non, ça je m'en doutais. Ah, c'est dommage, on peut pas sortir les torches. Et là, les torches, on avait une touche attribuée. Pour les torches, si je me rappelle bien, c'était la touche option à ce moment-là. Au select plutôt. Je crois que c'était select, il me semble. Et là, mais du coup, je n'ai pas de touche select, j'ai que la touche option. Et la touche option, vous le savez, ça fait ça. Donc, pour l'instant, on est un peu marron. Mais c'est pas grave, on va voir, on va se débrouiller. Ça, je me rappelle. Je me rappelle ça. Elle monte. Je crois que c'est. Non! Je crois que c'est. Ah! C'était quoi ce bug? Bug des années 90, je rappelle. Parce que là, c'était totalement typique des années 90. Je rappelle, le jeu n'a pas été refait. C'est juste qu'ils ont fait un message HD du jeu. C'est tout. Ils ont rajouté des beaux graphismes. C'est tout. Mais ouais, j'ai l'impression que ouais, par rapport au premier opus qu'on a fait la dernière fois, on a vraiment une jouabilité beaucoup plus simple. Et beaucoup plus intuitif. Alors après, est-ce que c'est parce que j'ai l'habitude de jouer sur console? Peut-être. Parce que certaines personnes qui ont joué sur PC ont du mal à jouer sur console, et chose que je peux comprendre. Mais moi, étant déjà habitué à la console, je sais pas pour. Ah, je dis, je sais pas tous les secrets, mais je vais quand même découvrir pour voir s'il n'y a pas des objets à trouver. Attention. Ok. Attends, il y a un truc qu'on peut faire là. Ah, je fais ça, je peux le faire, mais pas. D'accord, pas le faire dans l'autre sens, c'est chiant. Ah, là, peut-être qu'on peut passer. Non, c'est un peu trop haut. Si je fais ça et qu'on passe par là, par ici. Non. Non, bon, là je suis pareil, je suis pas tenté de diable. À mon avis, il y a peut-être quelque chose à voir, attends, on va aller voir. C'est par ici. Non plus. D'accord, donc là il me faut une clé. Mais est-ce que là on peut passer? Ah, je pense qu'on peut monter là. Non? On peut pas. Ah, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose par ici? Non, là il n'y a que dalle. Ok, donc là on a une clé à trouver. Donc je suppose qu'il faut aller en plein milieu. Mon ampoule qui a décidé de faire jour nuit en fait, depuis quelques jours. Allez. Hop, le grand plongeon. Pouf. Plara. Ah, attends. Là où est. Il faut vraiment la voir. La vache. Faut voir que c'est là. C'est là où moi je. Là où je vais plus citer, c'est pour chez nous. Je mise. Attends, on va sauvegarder déjà parce qu'il y a un ennemi qui est tout proche. Et je sais que c'est une plaie. Non, c'est chargé. J'ai failli faire une connerie. Heureusement que j'ai tilté sur le bas pour. C'est vraiment plus chaud. Vous pouvez voir, ma barre de vie a changé. C'est plus la même. Elle est maintenant multicolore, ma barre de vie. Je trouve ça assez classe. Je trouve ça assez joli. Par rapport à ce que le jaune doré là. Je trouve ça pas trop top,
Mais le fait qu'elle soit un peu plus multicolore, en fait, ça me prouve qu'on avance dans la barre de vie, que plus la barre de vie se restreint, et plus c'est dangereux, parce que plus elle est verte et nous on est, et si elle devient toute rouge, et bien là, c'est quasiment la mort assurée. Alors, on a trouvé un secret déjà, mais est-ce qu'on va en trouver un deuxième? Est-ce qu'on trouve d'autres secrets? Alors, je sais qu'il y en a un quelque part bien prédéfini, mais ça me fait un peu peur. Je vois la route. Je sais pas si je le ferai. Alors, certainement que si, parce que ça ferait peut-être une petite référence au premier Tomb Raider pour le coup. Mais je sais pas, je verrai si on le fait ou pas ce trophée. Pas passer là. C'est dommage, il y a des plateformes. C'est dommage que ça fait comme si c'était une plateforme, tu vois. Il fait genre, on peut passer, mais bon. Ok, donc là du coup, ben, plus que notre choix, on n'a plus qu'à en remonter. Ok, la clé. La clé du corps de garde. Saleté d'araignée. C'est bon? Je les entends, je crois encore. Ok, donc là, il me faut une clé aussi. Putain, je savais. Je savais que j'entendais. Putain, mais lâche-moi! Oh là là, saloperie d'araignée de merde. Putain, je préférais la ratanas La rat-attaque de la citerne hein, dans le premier Tomb Raider. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Ouais. Donc là, tu arrives ici, t'as que dalle? C'est bizarre. Peut-être là, dans l'emplacement. Oh, c'est où ça? Tout ça pour rien, en fait. Tu montes là pour que dalle. Parce que la clé, elle est juste là. C'est débile. Autre nouveauté aussi que je vous ai montré bien sûr dans le Manoir de Lara, c'est-à-dire que maintenant on peut grimper aux échelles, aux sortes d'échelles qui sont contre le mur. Putain, lâchez-moi! Ils sont relous ces scarabées là, ces araignées de ce creux de mur là. Bon, j'ai trouvé une clé. Et donc là, c'est juste pour redescendre. D'accord, c'est logique. Tout à fait logique. Ok. Allez, sauvegarde, putain, j'allais dire. Allez, la clé. Ok, la clé a clé rouille. Allez. Ok, peine ton araignée. Ça fait un peu peur. Hein. Oh, des munitions. Alors qu'est-ce qu'on a? Je crois qu'on a des balles de fusil et une grosse trousse, non? C'est ça? Putain, mais lâchez-moi! Oh là là, je les déteste ces araignées. Ok, bon, bah, ça c'est ça c'est logique. Ça n'a pas changé par contre le fait de pouvoir déplacer les gros blocs comme ça dans le deuxième Tomb Raider par rapport au premier, ça n'a pas bougé ça. Attends, mais est-ce qu'on peut pas grimper quelque part? Parce que maintenant j'ai peur avec un blocage, vous le savez. Hein. J'ai été traumatisé par hein, le fameux bloc Natla de Natla Technologies. Mais il fallait grimper dessus pour avoir un levier. Donc maintenant, excuse-moi, je regarde s'il n'y a pas un truc à faire avant d'avancer. Non, on peut pas dans tous les cas. Allez. Je me rappelle pas que t'es si long. Ah bah oui! Bien sûr. Putain, j'avais pas vu que c'était même dans l'autre sens. C'est pas bon, je fais pas. Ah bah c'est bien là, je me suis tué.
J'ai pas sauvegardé. J'ai pas sauvegardé. Pas sauvegardé. Je sais plus ce qu'il faut faire. Ah oui. Ouais, d'accord, je suis loin. J'ai sauvegardé là. Ok, très bien. Sort. On commence. Ça y est, ça convainc. Normalement j'ai la clé, hein. C'est ça? Ouais. Je fais n'importe quoi. Et ouais, j'ai pas sauvegardé, j'aurais dû sauvegarder. Et là j'ai paniqué, je me suis pas rappelé de ces deux boules. De cette salle là, de cette pièce là. Allez. Ok, Lara, tu veux pas t'accrocher? Ah, putain, t'as réussi tout à l'heure à t'accrocher du premier coup, maintenant tu veux plus. Allez. Je me suis fait écraser par la première boule. Enfin, ouh, l'esquive de l'araignée. Esquive l'attaque de l'araignée, c'est. Le problème c'est qu'elles sont tellement petites ces merdes que dès que ça s'approche de toi tu peux pas les viser. Tu peux plus les cibler, c'est foutu. Alors. Attends, attends, attends. Si là, je mets là comme ça. Je sais pas, je regarde l'écran de l'ordinateur pour jouer, pour voir si tout fonctionne bien. Putain. Soit. Je vais pas faire avoir cette saleté de d'araignée de merde qui me saoule. Ok. Sauvegarde la trousse de soins là que j'ai trouvé tout à l'heure. Moi je vous écrase avec mes pieds. Putain, ça attaque de partout, ça attaque de partout. Ça y est, merci. C'est fini, parfait, c'est pas pour toi. Allez, la petite sauvegarde, on va la faire là maintenant parce que là. Hop là. Est-ce qu'on va battre les 250 sauvegardes du premier jeu? Je pense que oui. Je pense qu'on peut atteindre facilement les 250 sauvegardes. Je sais pas pourquoi, mais je le sens. Vu que je le rappelle, il est. Pour moi, je pense qu'il est plus dur que le premier. Avec des niveaux beaucoup plus difficiles. Pas faisable, bien entendu, mais vraiment bien compliqué. Attends. Pas ça. Ah, mais si on peut passer là, ça change tout. Je me rappelle pas ça. Je me suis pris la tête à passer à. À passer au milieu, mais. Je me prends la tête. J'ai la caméra qui déconne un peu, mais ça c'est normal. Hein. 97, déconne. On voit encore que l'arrêt est encore en forme. Un petit peu cubique. Mais moins que dans le premier, je crois. Okay. D'accord, ah oui, ça c'était fait. En fait, c'était fait pour esquiver. Ok, il y a des piques. On va s'en regarder.
J'ai fait n'importe quoi parce que je savais plus, je sais plus. En fait, je redécouvre le jeu, hein. Je rappelle. C'est une redécouverte pour moi, ce niveau aussi. Après, les boules à Indiana Jones. Jouer à part un chose. Ah oui! Attends. Ah, son gratte. C'est ce que je dis des conneries en fait, ça me gratte plus. Donc je sais pas, j'en sais rien. Ouais, 5ème son garde déjà en fait. En premier niveau, mais. Ouais, non, je tente pas, je tente pas. Je tente rien. Et... Je suis mort parce que je vais prendre mes secrets. Oh mais oui. Le boost hein. C'est bon. D'accord. Ah oui, je vois ce qu'on est. Ce qui est dommage, c'est qu'on a pas beaucoup de munitions. Mais c'est ce que... C'est encore une fois. J'ai pas sorti... Peut-être que j'ai manqué de temps, du coup. Je veux le prendre, ce serait. Je veux le prendre parce qu'on peut faire 3 sur 3 si on peut, si on y arrive. Ah, c'est mort. Là, c'est foutu. Un piège en fait, c'est pas ça. Je suis toujours dit, elle meurt quelque part. Elle appelle qui pour. Comment les personnes sont au courant qu'elle est décédée? Alors normalement, si je me trompe pas, le troisième secret il est par là. Donc on va déjà sauvegarder ici. Et voilà. Ah, il va être quelque part par là. Ah mais non, mais vas-y, casse-toi toi. Casse-toi, je t'ai dit. Je crois qu'il est en bas. Je vais pas passer.
plateforme et je peux pas y accéder. Je sais pas comment on fait pour y accéder. Ah, c'est. J'ai jamais fait ce secret-là. J'ai découvert il y a vraiment pas longtemps. Et du coup, on va essayer de. On va essayer de le faire. Ce serait qu'un petit exploit pour moi, je trouve. Suis mort. J'ai dit que ce serait un exploit, donc on va essayer de le faire. Voilà. Et j'y crois pas une seule seconde. Après, je sais, parce que je sais très bien ce qu'il y a. Ce qu'il va y avoir en bas, et j'ai très peur. Voilà, tac. Là. Déjà, ceci. Ça commence bien. Attends, regarde comment on en a. On a 8. J'ai 40. Allez, ça va. Je pense que c'est en bas qu'il faut aller. Je sais pas, je pense, mais je suis sûr. En prenant le temps, on n'est pas pressé. Voilà. Ouais, mais comme là du coup je peux plus sortir, je peux pas sortir mes torches. Voilà, donc en fait j'aurais dû sortir la torche avant. Ok, donc on peut pas sortir une torche et ça grippe en même temps, c'est nul. Mais c'est comme ça. C'est mon seul. C'est mon petit regret, je trouve. C'est qu'on n'a pas de touche attitrée pour sortir la torche, en fait. Tout simplement. Et je trouve ça débile. Alors, j'avoue que sur PlayStation 1, je me rappelle plus, je crois que c'était vraiment Select. Hein. Et je sais qu'il y avait une touche attitrée pour la touche. Pour sortir les torches. Et je suis dégoûté que là, on n'en ait pas, en fait. Attends. Ouais. Du coup. On va faire ça. Allez. Ah, je peux pas. Attends, mais t'es sérieux? Je peux pas m'accrocher en ayant ça dans les mains. C'est un truc de dingue. Elle veut pas tomber. Comme ça. Voilà. Ah mais c'est un truc de dingue. Hein. Bon, on va s'en garder là, par contre. Ah putain, je suis fort que dalle. Tu sens mon côté pas du tout rassurant. Parce que je sais ce qu'il y a là. Pour le coup. Et voilà, bonjour toi. Allez. Je me rappelle que dans le premier, on s'est fait une gueule. Ça va être le cas là. Parce que je crois qu'il y en a une deuxième. C'est genre que dalle.
pas deux. Ah, oh cool. Par contre, j'ai trouvé quoi? Oh, j'ai trouvé le lance-grenade. Ah, ça c'est cool. Ça c'est très cool. D'accord, j'étais plus. Alors, franchement, je vous avoue, je m'étais posé la question. Comment ils avaient fait pour trouver la sauvegarde? Trouver la lance-grenade? Ah, c'est joueur, vous n'avez pas de souvenir. Ouais, ouais, il est là le deuxième. Et là, on va voir. Deux T-Rex en un dans cette zone, mais je savais pas du tout qu'il y avait le lance patate ici, donc je suis très content maintenant. J'avais pas retenu ça, je savais qu'il y avait un secret ici. Ça c'est sûr et certain. Alors ça c'est la technique qu'on utilise quand tu n'as plus de quand tu as plus de torche en fait. Si tu fais ça, et c'est vrai, mais c'est une bonne technique qui a bien fonctionné. Attends. Je peux pas faire deux choses en même temps dans ce jeu. Ok, allez. Voilà. Et bien, frappé. C'est pas la télé qui a un problème, je vous rassure. La télé fonctionne bien. C'est pas un problème de jeu. Vous l'entendez? On commence à voir. Ça y est, on commence à en faire y voir. Je sais plus où regarder sur ma télé. Je vois ma grande télé, je vais où est-ce que je dois regarder. On va voir, attendez. C'est un peu bizarre quand c'est sur la télé. Mais... Attends, quand on entend ces petits bruits de là. Qui nous fait bien comprendre qu'on est en train de gâter. Ok, on va se regarder. Donc on a fait ça, et j'ai pas envie de me retaper. Ah, on revient là. Non, non. On revient ici, d'accord. Et maintenant, on n'a plus qu'à descendre. Ça c'est le chemin traditionnel qu'on va faire. On fait là. Allez. Oui, t'es en train de se faire pousser par des araignées. Ah, tout ce qu'on a esquivé en bas. Je crois qu'on avait la fin du niveau. Super bêtise. Je crois qu'il y a une scène cinématique, donc je vais couper là. Je coupe ici la cam et le micro, on se retrouve juste après. Attendez, je refais parce que je crois que j'ai loupé quelque chose. Je pensais que la séquence allait, que la scène allait se déclencher, et en fait non, donc je me permets de refaire cette séquence parce que je crois que j'ai loupé un ou deux objets, je pense. Non, je fais n'importe quoi, c'est... Je panique. Ces araignées là, parce que j'en ai marre. Ces petites araignées. Allez. Ah, s'il te plaît. Me saoule pas, ça y est, ça commence. Ça commence à me saouler.
Ça commence à m'énerver. Donc là, du coup, je recoupe, je vais essayer de fouiller un petit peu quand même le passage avant de m'en rapprocher des trucs. Et c'est trop trop. Pardonnez-moi, mais vous pourriez peut-être m'ouvrir la porte. Avec un flingue, un peu gros comme clé, non? Je crois que vous avez... Après vous. C'est drôle. Vous réagissez comme un moine. J'imagine que si vous trouvez ça drôle, c'est que ça vous plaît. Parlez-moi un peu de ce fameux poignard de Xian, si vous tenez à la vie. Ces portes attendent les lieux, le moment où il arrivera. Alors, la lame du poignard... Enfin le cœur de ceux qui ont la foi. Et si vous ne faites pas serment de fidélité, vous aussi. Serment de fidélité. Au péché et au dessein de Marco Bartoli. Finalement, je vais attendre un peu. Gianni Bartelli, via... Et voilà, du coup, on a fini la Grande Muraille de Chine, du coup, on a fini en 23 minutes, on en a fait un peu plus, du coup, on a fait une vidéo en chat aussi. Et on a trouvé 3 secrets, on a trouvé 13 objets sur 14, on a tué 20 ennemis, on a fait 936 munitions, mais... Parce qu'on avait besoin de voir, bien entendu, une demi-trousse de soins, ça c'est sûr, et une distance parcourue, 1,75 km. Allez, du coup, on va attaquer le deuxième niveau, mais pas dans cette vidéo-là, mais on va l'attaquer dans la suivante. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que cela vous aura plu. Et n'hésitez pas à le dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce premier pas dans les aventures de Tomb Raider 2. C'était G pour Geek City, je vous dis à très vite, ciao, ciao.